Bonjour, bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue dans l'émission Tout autour. Émission Tout autour qui est consacrée à protection sous environnement. Cap sensibiliser davantage pour capable gagner engouement pour travail pour un environnement qui meilleur. Jodi an, n'a pral faire un autre bagaille dans l'émission Tout autour, n'a pral faire une émission qui très technique par rapport avec Haïti qui c'est un pays à risque sismique. Jodi an, nous pral garder ensemble avec invité nous qui c'est ingénieur géologue Jules. Eh bien, li pral wè ensemble avec nous en série de thèmes nous qu'on souvent tendé yo utiliser pour les catastrophes, les gagnes séismes pour yo pas et paraître difficile pour nous capable familiariser nous ensemble avec yo pour nous capable plus bien informer sur question séisme en Haïti. Ingénieur géologue Junior Jules, bonjour, bienvenue dans l'émission Tout autour. Bonjour Cam et Stéphane Dapoula, et en fait c'est un plaisir jeudi pour que moi participer dans l'émission Tout autour, et c'est toujours un privilège pour que moi sensibiliser population en tant que géologue pour que nous capables dire qui ça qui risque naturel yo, qui ça qui tremblement de terre, qui comportement que on doit gagner. C'est un plaisir pour me présenter dans l'émission en matin. Mm-hmm. Plaisir partagé. Merci parce qu'on répond avec invitation nous. Tout d'abord, chaque fois que nous entendons dit Haïti c'est un pays à risque sismique, qu'est-ce que ça pour nous mettre en tête nous? OK, le fait que yo dit Haïti c'est un pays qui a haut risque sismique, c'est pas pour sans raison. Et compte tenu de position Haïti sous carte sismique mondiale là, nous capable dit Haïti retrouvé dans la limite de la plaque nord-américaine qui sont grande plaque et la plaque Caraïbe. Côté que il a déplacé à une vitesse de 2 cm par an, le fait que on une zone qui est très active, on regarder que vitesse de déplacement est environ 2 cm par an ou dit très négligeable, mais du point de vue géologique et mouvement de cisaillement de plaques ayo, il est très représentatif, le fait que déplacement ça a fait, il suscité ça yo le tremblement de terre. Le fait que nous parlions de plaques, qui ça qui ont plaques tectoniques. Avant, nous t'es considéré que avec Kegener qui t'a dit que tout continent était formé en seul, qui était la Pangée, mais par la suite avec un mouvement continuel qu'a fait, ou bien mouvement de convection qu'a fait à l'intérieur du sous-sol, les générer déplacement plaquio qui viennent by environ une quinzaine de grandes plaques majeures et des petites plaques. Le fait que déplacement continuel ou bien mouvement ascendant et descendant qu'a fait dans ce sol-là, suscité plaque yo disloqué et puis mouvement ça yo pral générer des failles. Côté que faille ça yo pral produit ça le tremblement de terre et qui ça nous pral ba une définition technique de question tremblement de terre. Nous capables de dire c'est le résultat physique et du glissement de deux blocs le long d'une faille située en profondeur ou bien tu capable une définition qui très classique. C'est le fait que c'est la vibration brutale ou violente de l'écosse terrestre causée par soit une faille ou bien l'autre. Parce que ou bien tremblement de terre yon joint origine yon plusieurs côtés. Le fait que nous parlons de tremblement de terre d'origine tectonique, c'est mouvement plaque qui bat tremblement de terre. Ça yon, li a un pourcentage de 80% par rapport avec tremblement de terre qui a fait sous planète là. Et puis, il y a une éruption volcanique tout capable de produire des tremblements de terre. Et puis, des tremblements de terre d'origine anthropique, essais nucléaires, extraction pétrolière capable de susciter ça ou l'autre tremblement de terre. Et faille là, nos dimensions techniques qui ça faille là, c'est une cassure. Et le fait que nous avons parlé de mouvement plaquio, le fait qu'il y a déplacé, il est cassé. Fissure qui gagne dans deux plaques, dans limite, ou bien qui rend que yon croûte li subdivisé en deux ou bien plusieurs, fissure ça ou bien cassure ça, c'est le même qui faille là. Par définition, on dit une faille, c'est une cassure de la croûte ou de la roche suivie de déplacement. Haïti, li positionné par rapport avec Jean que nous analysons, li gagne environ yon trois grandes failles majeures, et qui c'est la faille septentrionale qui traversait la région nord qui allait jusqu'à la zone Plantain Garden, Jamaïque.
C'est Faïsa qui était responsable du tremblement de terre en 1842, qui était détruit plus que moitié de la population nordienne. Et puis, où est la faille Henriquillo qui sortit dans la vallée d'Henriquillo et elle traverse la région sud. Et puis, il passait toute zone rivière froide, il passait Pétionville, bon, zone La Boule, et puis l'aller dans la vallée d'Henriquillo en République dominicaine. Et puis, on a la faille Mueltos Neiba Mateu, qui est une faille qui n'est pas tellement connue. Et puis, à 50 km de la région nord, on a la faille nord d'Hispaniola, qui est retrouvée en mer, qui est capable, tremblement de poser capable Haïti, surtout la région nord, les capables victimes de tremblement de terre, ça, et possibilité, le fait que faille la retrouver dans la mer, les capables affecter la région nord là par une vague de tsunami. Mm-hmm. Et le fait que nous rentrons dans un cadre logique, nous, pour nous permettre de comprendre qui ça, qui tremblement de terre là, dans un cadre technique, et nous gagnons ensuite, c'est pas seulement God Fight, nous parlons de God Fight, yo, mais il y a plus qu'une quinzaine de failles secondaires qui traversaient le territoire haïtien. Mm-hmm. Dans la logique, côté que, à travers ensemble de failles majeures et failles secondaires, ça vient analyser ou bien les vient fragiliser ou bien les vient mettre nos dimensions à augmenter le taux de vulnérabilité d'Haïti face à tremblement de terre. Il y a deux termes qui, par exemple, un tremblement de terre qui ça qui produit li, par rapport avec tremblement de terre d'origine tectonique, ce sont les ondes sismiques et gon ensemble éléments qui caractérisent un tremblement de terre. Premièrement, on a le foyer ou hypocentre, c'est côté déclenchement fait là, c'est en profondeur, côté que soit c'est en cassure qui produit ou bien côté énergie à tape emmagasiné et puis libéré. La auto-définie pour tout le public, là, ils ont parlé de séisme, là, ils ont dit de magnitude, de temps pointant, et puis ils ont dit de profondeur, temps pointant, donc le public est capable de connaître qu'ils ont parlé de profondeur séisme. Là, profondeur, de qui ça, ils ont parlé? Oui, ils ont parlé de profondeur séisme, là, ou bien foyer, c'est côté cassure la fête, là, côté déclenchement fête. Et puis nous parler de question magnitude, c'est énergie qui libère. Énergie, le fait que les libérer, le fait qu'on a une dimension de sismicité, ils qualifient, ils dénomment onde sismique. Et ils mesurent son échelle, l'échelle de Richter, les gradués de 0 à 9 degrés. Et on a aussi l'intensité. L'intensité, c'est l'ensemble des dégâts causés par le tremblement de terre. Là. Yo mesuré sous échelle de Mercalli et gon l'autre échelle qui est magnitude du moment qui détermine position ensemble d'éléments. Et puis on a l'épicentre et le a déterminé ou bien analysé zone épicentrale du tremblement de terre, c'est projection foyer à la surface d'une manière verticale. C'est ensemble éléments ça qui caractérisait tremblement de terre là. Pour parler de tremblement de terre, faut quatre éléments ça rentrer en ligne de compte. Mais par la suite nous parler de ondes sismiques. Il y a plusieurs ondes sismiques. Il y a onde P, et il y aurait les ondes de précurseur là. Le tremblement de terre là pral passé et première onde qui libéré c'est onde. Si nous chita dans studio là, premier on tremblement de terre pral passé qui premier ça n'a juste senti nous soulever. Parce que onde P c'est onde de précurseur là, l'elvini c'est maté le maté. Il sorti en bas monter le maté caille. Soulevé, ça veut dire le fait que onde ça a libéré, c'est onde qui est plus rapide, mais onde ça a lui-même les capacités de traverser tous les états de la matière et c'est onde qui est plus rapide. Le fait que onde ça a libéré, les bonnes possibilités pour guetter abriter ou si que ou te guetter en une dimension si un tremblement de terre passé, position pour gagner si ou bien à l'extérieur. Et puis onde secondaire là qui c'est onde S qui c'est onde de cisaillement. Lui même n'est pas traversé état liquide et traversé état solide. Justement, on fait ce campé là parce qu'on a éclairé l'interne public là sur tout thème et à l'heure puisqu'on retourne sur cisaillement encore. Donc pour monde qui a posé question, il a parlé de mouvement de cisaillement qui s'allie. C'est comme si on prend soit OK bon point ou aller comme ça ou la cisaille. Ça veut dire le fait que qui comportement le gagner, le prend caille là, il y aller le venir.
c'est honte qui est dangereux, ça veut dire balayer Kailan. Et nous, on a regardé, nous, on a Kailan. Oui, là, c'est honte. Il a avancé, là, il est comme ça. Et tant qu'on ressort, ou bien on prend un code, ou voyez, ok, ben, pour être là, on va voyer comme ça. Ces comportements, ça, honte S la guerre. Et puis, ça, ce sont des zones qui sortent en profondeur. Mais il y a aussi des zones de surface, par exemple, honte L, honte love, et, ou bien honte R, et puis honte D. Honte ça, ce sont des zones de surface. Yo, et, non seulement honte S, là, la balaye maison, mais honte love, là, li, non seulement li, ascendant et descendant, et puis li, li constitue même espace de surface à tout. Li prend en l'air, li descend et puis il fait comme ça, mouvement, manifestation audio ou après yo par méthode de simulation. Et puis on a les ondes qui caractérisent tremblement de terre là à travers ondes sismiques. Et puis on a parlé de tremblement de terre d'une manière générale et par rapport avec niveau ou bien état physique différent, la croûte ou bien la partie interne de la terre, côté que ou abjoint la première partie qui c'est la croûte terrestre, et puis après croûte là ou vin ça relo asténosphère là. Asténosphère là, y aurait le LVZ, et c'est la zone de faiblesse, non anglais c'est low velocity zone. Ces zones de faiblesse là, les temps qu'on tapis roulant, c'est sous lit plaque tectonique qui a roulé. Et puis, on va rentrer en profondeur, on va joindre le manteau supérieur, et le manteau inférieur, le noyau externe qui est liquide, et puis le noyau interne ou graine qui est solide. Et puis, par la suite, on vient joindre tout. Question zone de subduction par rapport avec mouvement plaque. Côté que on joindre plaque océanique qui suivant composition et minéralogique. Et puis dans ça veut dire pile ou que plaque tectonique plaque continentale là ou vinn joindre descendre et puis ou vinn joindre l'autre plaque continentale là monter li créer une zone de subduction. Subduction ça c'est zone côté où joindre plus activité sismique et volcanique. Le fait qu'on arrive dans situation ça ou vinn joindre activité sismique yo qui très répétée parce que manifestation en dedans li l'un a parlé aussi manifestation onde sismique yo yo gon comportement varié suivant état physique quoi que a traversé. Si onde là li traversé yon état solide et qui très rigide ou bien qui très compact, ça veut dire vitesse là accéléré, li passé rapide. Mais le fait que le traversé yon corps qui pas ni liquide qui pas solide, li son état li gon état pâteux, ça veut dire molle, li décéléré considérablement. Après 12 janvier 2010, nous venons victimes encore d'un autre tremblement de terre et 14 août 2021, 11 ans après. Et nous venons voir comment nous avons affolé le fait que nous avons demandé est-ce que nous n'avons pas gagné un tsunami. Donc, malgré les hauts présentés, mais qui ont tremblement de terre dans les mêmes moments passés, et nous avons expliqué tout le bagage, mais nous avons gagné un doute. Donc, qui ça pour nous comprendre à chaque fois que il y a un tremblement de terre, que gens pour comprendre si a gagné un tsunami ou pas. OK. L'un tremblement de terre passé pour gagner tsunami, il y a trois conditions pour remplir. Premièrement, faut foyer ya, li retrouver la balle en mer, faille là et foyer ya retrouver la balle en mer. Faut que magnitude que libéré ya, énergie a faut supérieur à 6.5 sur échelle de Richter là et faut profondeur là, li inférieur à 50 km. Le fait que trois conditions ça yo rempli, c'est que pral gen tsunami, ça veut dire moun ki nan zone littoral yo. Et à noter que majorité ville haïtienne yo, ce sont des villes littorales, yo construit bon la mer. Ça veut dire le fait que alerte là ou bien bulletin sismique yo bay lan et yo di foyer et hypocentre et li retrouver la balle en mer, ça qu'arrivé tremblement de terre passé, yon nan logique pour que nous fait depuis que ou bon la mer. Un tremblement de terre passé où l'an mais a retiré col ou même seul ça pour faire c'est retirer col parce que bulletin en pour cobay pour dire est-ce que côté épicentre là y côté foyer y côté à quelle magnitude le ça c'est prudence. Mais dans pays sérieux toujours il y a des alertes tsunami. Le fait que tremblement de terre après le passé alerte là sauter yo getan évacuer moun ki dans zone ça. Ça veut dire comportement ou bien attitude, le fait que tremblement de terre passé, tout on a cléonné, pralgué tsunami, c'est rester tête frette. Tant
à l'aide, et puis l'État lui-même lui doit prendre responsabilité d'installer des alertes tsunami appareils qui pour déterminer question si tremblement de terre a passé pral gen tsunami l'a sonné le ça ou gen évacué moun. Et comportement que ou doit gagner non seulement face à phénomène ça. Si ou dans caille c'est abrito en bas un meuble qui solide, par exemple une table solide, c'est fixer appareil qui capable tomber au biais dans mur, pas prendre escalier, c'est protéger tout ou si n'a regardé comment simulation fait avec quelques élèves qui au Japon ou regardé yo gon culture ça aurait le culture de risque là. Mm-hmm. Le fait qu'on pas gagne culture de risque ou toujours vulnérable ou toujours victime face à un tremblement de terre. Sou nan la rue pas courir descendre machine pas bien que l'on tire difficile oui le fait que phénomène nan manifesté ou pas gagne lucidité c'est garder calme. Depuis que ou a fait tête chaud ou pas gagne direction ou pas gagne capacité pour agir pour pas victime d'un tremblement de terre là c'est abrito principe là c'est ou dans kay koto ya assurer que li gon minimum d'assurance li capable résister et avant tout ou pas doit construire n'importe côté faut qu'on nature terrain ou construire. Est-ce que c'est pas un sol qui appelé pour gagner ça ou l'effet de site dans zone effet de site lithologique côté non zone qui très sableuse et puis qui gagne d'abdo qui pral diminuer la vitesse de propagation onde là qui pral amplifier dégâts que le café qui pral rendre caille là un tassement différentiel qui fait caille la plongée. Est-ce que c'est en zone côté onde là effet de site topographique côté onde là piégé dans tête monde qui pral craser caille là c'est assurer que on fait étude de terrain ou bien analyse et granulométrique ou bien étude géotechnique de sol là pour qu'on qui construction adapté qui adapté la dalle et ce sont des constructions parasismiques et après tout pas essayer mettre non logique pour faire tête chaud encombrer ligne téléphonique yo pour tes assistance faut que ou gagne ça relo kit d'urgence pour faire face avec genre de phénomène ça yo c'est pas le moment phénomène là manifester et si n'a regarder pas dit moun yo pendant année ça majorité séisme qui fait qui intervalle de 1.0 à 4.6 à 5, 80 à 85% fait au niveau de la mer. Ça veut dire, gain analyse qui, ou bien prédiction ou capable de dire, tremblement de terre, il y a catastrophique et possible pour le bail et le tsunami. Parce que la majorité des tissus coussins fait dans la mer. Il y a une condition qui fait tissus coussins pour le tsunami, c'est parce que la magnitude est inférieure à 6.5. Public là a bien pour le marquer date ça ce soir dit hein pas pour alarmer oui. Mais c'est surtout pas pour laisser ça passer s'il t'a passé pour nous servir avec émission ça pour nous dire ça te dit mais c'est surtout prendre disposition nous capable prendre éduquer davantage et surtout émission ça qui était visé pour te parler avec vous pour te édifier ou sur thème yo là il va parler de séisme capable familiariser ou ensemble avec thème yo et noter ouais ensemble avec ingénieur et junior Jules géologue junior Jules et noter ouais pour qui ça Haïti c'est un pays à risque sismique noter ouais plusieurs et thèmes que l'était défini et noter conclu ensemble avec lui et bien et risque qui gagnait pour un tsunami qui le nous cap parler de un tsunami c'était vraiment un plaisir pour nous te gagner ou dans émission tout autour ingénieur géologue junior Jules c'est plaisir là à les partager et comme Stéphane Dapoula c'est toujours un plaisir tout pour que nous sensibiliser les populations à la logique comment elle doit comporter face à un tremblement de terre c'est pas mettre une logique de peur mais c'est faire connaissance fort faire connaissance et comprendre enjeu et fort conscient de niveau de vulnérabilité yo, afin que le fait que un tremblement de terre passé pour ne pas produire plus de dégâts que le tadou est posé. C'est toujours un plaisir. Nous souhaitons ou même nous arriver vraiment prendre note de plusieurs informations, de plusieurs connaissances que ingénieur géologue junior Jules t'a partagé ensemble avec nous aujourd'hui. Hein. Partager avec l'autre connaissance nous, partager ensemble avec tout l'autre monde pour nous capables de faire information ça y arriver plus loin. Parce que en pile fois, les nous victimes d'une catastrophe naturelle, c'est pas catastrophe là en soi qui passait, mais c'est manque d'informations que nous gagnons, qui fait nous pas arriver prendre disposition nécessaire pour nous arriver, gérer tête nous et éviter gagner un paquet de dégâts.
C'était vraiment un plaisir pour nous porter émission tout autour pour vous. Nous avons cassé l'autre rendez-vous et très prochainement, nous avons gagné ingénieur géologue junior Jules qui pourra parler avec nous de risques volcaniques.